Salut à tous, c'est Narm, de retour sur Far Cry 5 avec... Razia. Pour cette fois, aider le petit Whitley, je sais plus comment il s'appelle en tout cas. Il nous a demandé d'aller chercher des caches de survivalistes dans les airs. On s'y dirige tout de suite dans un hélicoptère que j'ai acheté récemment. Tout neuf, tout beau, tout propre. Équipé de... Oh, il y a un ours. Oh, il y a un nounours. Oh, il y a un ours et puis il y a des gens. Il y a des gens aussi. Oui. Non, tu nous as pas vu. Je crois que l'ours est en train d'attaquer le monsieur. Eh ben écoute, s'il les tue, tant mieux. On va pas se plaindre. Je vais essayer d'atterrir le plus proche possible pour pas perdre l'hélicoptère. Pas mal, genre là. Ici. Ouais, c'est bien là. Ah, c'est ça, c'est Witty. Tu vois, j'avais raison. C'est Witty. Calmez-moi. Je m'étais pas trompé. Il y a quelqu'un? Vous êtes tous morts? L'ours vous a tous tués? D'habitude, il y a des gens dans des endroits, mais visiblement là, ils sont pas là. C'est pas normal. Une mission, il n'y a pas de gens. Mais les cinglés sont déjà en train de chasser. C'est peut-être après. Ah oui. Sacrifice. Ah oui. Ouh, il a été salement sacrifié, lui. Ils envoient tous les gars qui coincent sur leur putain de fauteuil. C'était quoi ce bruit? J'entends un gros bruit. Putain, Jason, t'as encore remis ça? T'as emporté la seule carte des chalets qu'on avait. Oh putain, Jason, tu fais chier, merde. Je passerai prendre la carte quand j'en reste. Mais la prochaine fois, évite d'y toucher. La prochaine fois, je te pète les dents. Yeah. Parce que t'as pas à toucher aux cartes. Me déplace. Non, là, on va pas sauter. On va récupérer l'hélicoptère, du coup. C'est ça. Ah là. Tiens. Non, j'ai cru que t'allais partir sans moi. Non, non. Pied au plancher. Ok, Jess. Ok, ma chérie. Je t'obéis à toi, pas à Trazia. Pourquoi ma vitre est cassée? T'as tiré dans la vitre. Pas du tout, c'est pas du tout moi. Ouais, c'est ça. Bordel, il était neuf, l'hélicoptère, merde. Oh, c'est bon, c'est pour prendre l'air, ça va. Non, c'est pas bon, là. Oh, bah si, c'est bon. Attends. Je vais nous poser là, parce que je pense qu'il y a du vilain. Hop là. Atterrissage en douceur. Oui, il fait un drôle de bruit, l'hélico, non? Merde, je me suis... Attends, j'ai lancé un couteau, je me suis planté de touche. Attends, je vais le réparer. Est-ce qu'il a besoin d'être réparé? Non. J'ai voulu réparer l'hélico, mais... J'ai réparé la vitre. C'est bien? Ouais, j'avais mis la lunette de sniper, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique, les jumelles. Non, c'est pas pratique. Et non. Attends, je vais me faire un deuxième là-bas. Oup. Oh non. Et de deux. Oh, il y en a un qui se balade là, tout seul. Attention, il y a un mec à côté. Ah attends, oui. Dis-moi. C'est bon, je l'ai pas eu. C'est bon. Non. Je l'ai raté, non. Je l'ai eu. C'est bon. Ouh. Et puis il y avait un mec qui t'avait repéré. Je crois qu'il en reste plus qu'un là-bas. Il en reste un derrière. Mais il est caché. Il est caché. Il est caché, le coquin. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Bah, tu pourrais sauter en wingsuit, puis je te récupère après. Bon, allez. Je tente le coup, je vais m'écraser. Ça va être drôle. Regardez bien, les amis. Attends. Ouh. Tu vois, je me suis même pas écrasé. Le mec, il était à côté, il m'a même pas entendu. Attends. Non. J'ai shooté le mec, sérieusement. Et le gars, il était à côté, il a rien entendu. Il a fait... C'est normal. Un truc qui mènerait sous terre, quoi. Atterrissage en douceur. Sympa, le petit charnier. Ouais. Il y en a partout, de toute façon. Tiens, ici, il y a un truc à collectionner. Non. C'est à la hauteur. Le chalet, c'est ouais. Trop gros. Mais c'est bon, je l'ai. Pourquoi pas une cave sous terre, quoi. Et... Ouh, de l'origan. Enfin, de l'origan, je veux dire. Je ne consomme pas, je consomme que de l'origan. Je la sniffe, je la... Oh. Ah, tiens, coffre fort. Bon alors, vous avez trouvé? J'ai... L'équipe est dans mon char qui lance une boucle sur votre radio si vous l'approchez. J'ai récupéré du pognon. Sous terre. Ils auraient jamais mis ça dans les chalets. Là, il y a une porte. Peut-être là-dedans. Oh. Que ces bruits là? Je dirais bien que c'est un ours, non? Ah non, l'ours il fait pas ce bruit là, je pense pas. J'ai trouvé.
On dirait une vache, mais... À la baraque suivante. Ouais. Yo. C'est bon, on arrive déjà. Y'a personne? J'ai l'impression qu'il y a personne. Je sais pas. Oh, 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 si, y'a du monde. Si, si, ouais. Attends, on va atterrir là. Mais j'ai l'impression que c'est pas dans le chalet. C'est en bas. Ok. Attends. Je vous vois sur les caméras. La planque doit être dans le coin. Et merde. Une patrouille se dirige vers vous. Maniez-vous. Ah, ah oui. Oui, y'en a un là. Ouh, ils sont nombreux. Ouh. Attends. Hop. Oh putain. La planque est forcément près du chalet. Oui. Regardez bien. Coucou. Oh, raté. C'est pas grave, je t'ai eu là. Moi, je suis tombé. Il est en bas? Non, non, il est pas en bas, je t'assure. Non, non, pas du tout. Attends, t'es où? On va les défoncer. Mais non, on me défonce mais pas. Mais non, mais il m'avait vu. De quoi? Il m'avait vu. Tu peux... Oui, mais j'ai rien dit. Ah, j'ai cru que... Je parle de lui, il dit on va les défoncer. Et... Quick. Oh là là, je l'ai raté. Oh, je suis mauvais. Hop. Eh, mais arrête de bouger, mec. T'as pas le droit de bouger. Ouais, j'en ai un. Attends, il cible. Je vais... Hop, exécution. Boum. Bien. Ouh, il a pris mon genou. Ça a craqué. Il a eu très mal. Ça me fait toujours mal quand je leur fais ça. Tu as mis un coup de genou au mauvais endroit. Toujours rien. Je sais pas si c'était mauvais. Non, c'était en plein dans la tronche. J'ai dû lui briser le nez. Alors, je pense que ça doit être ça, là. Ça fait du bruit. Ça m'a l'air d'être une cage de survivaliste. Bip. C'est bon, je l'ai eu. C'est quoi ce survivaliste qui stocke d'amour? C'est quoi ce bunker pourri? Y'a pas d'argent ni rien. C'est ça. Ah. Ok. La dame n'a pas de réseau. Ouais, c'est ça, elle a pas de réseau. Ok, pas de soucis, on y va. Yo. C'est où? Attends. Oula. C'est quoi ces hélicoptères là? C'est pas terrible ça. Ça sent un truc spécial ça, attends. J'y vais. C'est quoi? Oh. Attends, c'est une mission. Attends, toi tu peux leur tirer dessus, moi si je tire je fais des trous alors. Je vais te laisser tirer. Tire pas sur dans l'hélicoptère. Non, c'est pour ça, je ne tire pas. Oh. Détruisez. Ah bah c'était une mission, c'est ça, convoi armé. Nickel. Bah ça s'y fait. Tranquille, pépère. Je me suis retourné, je crois qu'on a perdu Jessie. Oui, je sais, elle était pas dedans. Okay. Je l'ai perdu. Je voulais qu'elle soit safe. D'accord. Au toi, parce que je sais que tu vas lui mettre une balle. Mais non, je vais pas lui mettre de balle. Si, t'as essayé tout à l'heure. Vrai. Je l'ai vu. Oui, mais c'est parce qu'elle bouchait le passage. Non. Ok. Crois pas que quoi? Qu'elles soient les seules à servir de cobaye. Donc, qui est-ce qui sert de cobaye ici? Ah, mais c'est qui s'échappe, les salauds? Mais pourtant, on n'a pas été repérés. Où tu vas, toi? Où tu vas? Voilà! Ah, il y en a encore un qui court! Allez, on va récupérer le petit paquet. Toi, t'as essayé de t'enfuir. Ouh! Ouh, effectivement, ils font pas des expériences que sur les loups. Regarde-moi cet engin. T'as vu? Regarde les yeux là. Oh non, mais puis même, on dirait qu'il a le visage à moitié pourri. C'est super bizarre. Ouais, il a le visage pourri. C'est dommage que. Au revoir! Ah, en plus, il y a un ennemi, je crois. C'est pas je crois, c'est sûr, il y en a plusieurs. C'est bon. Allez, je t'ai tout ramené là, j'ai tout fait encore. Au lieu de le laisser rouiller dans un bunker. Ça va bien nous aider ça. J'arrive pas à croire. J'espère que tu vas bien payer par contre parce que j'étais sûr qu'il se tirerait. J'ai tout ce que j'ai risqué. Il y a d'autres gens comme vous ici. Enfin, moi j'ai rien risqué. Tu la paies depuis longtemps. Trazia qui est morte. Encore merci pour votre aide. Pour compenser avec les frais médicaux de Trazia. J'espère que tu as de l'argent. J'espère qu'il y a. Je regarde, attention, combien on va recevoir? Provision. Ok. C'est tout? Hey, vous avez une minute? J'ai toujours une minute, vas-y, voilà, t'as quoi d'autre? J'essaie de mettre une radio pirate sur pied. Histoire ouais, de motiver il les paraît. D'inciter les gens à nous rejoindre. Vous voyez? Non, je vois pas du tout. Et à vrai dire, je m'en fous. Ouais, je préfère les vinyles, mais je suis pas un hipster. Non! Donc, si tu veux faire un chignon, je préfère un vinyle, mais je suis pas un hipster. Pas question de faire un chignon. La radio est HS, mais Tammy s'en occupe. Ok. Et en attendant, je me disais que je pourrais faire une playlist.
Ellie m'a laissé quelques disques. Oui. Mais ce serait sympa d'en avoir d'autres. Donc, si jamais vous tombez sur des albums, pensez à me les rapporter. D'accord. Dès que Tammy aura rétabli le signal, DJ Witty se mettra au platine. Donc c'est à ça que sert les vinyles qu'on retrouve. C'est ça la liste que j'ai là en fait. J'ai une playlist de la radio des White Tails. Ouais, mais du coup, attends, je peux lui donner. J'ai déjà. Ah oui. Trouvez-en d'autres et je les ajouterai à la programmation. Ok, cool. Ok, cool. J'ai du boulot pour vous. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview? Dis-moi. Le trou à rats dont on a réussi à vous sortir. Je m'en rappelle un petit peu. Vaguement. Il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position. Tu veux dire qu'il utilise la boîte magique? Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est mort. Va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. Pas question de tomber si bas. Attends. Voilà ce que je vous propose de faire. Je crois pas. Witty a préparé un petit package de déprogrammation. Le même qu'on a utilisé sur vous. Il faudrait que vous remplaciez la bande qui diffuse dans la pièce où est Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite... What? On verra ce qui se passera. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Et sinon, on improvisera le moment venu. Ok. Une petite picouse, comme on m'a déjà fait subir. C'est ça. Mais je comprends pas, Eddie, comment vous avez tenu? Mais on a tenu plusieurs jours quand même. Oui, c'est ça. On doit être plutôt résistant finalement. Rejoignez l'hôtel. L'hôtel Grandview. L'hôtel Grandview. Moi aussi, je me débrouille toute seule. Je passe pas mes journées à me toucher la nouille. Ouais, d'accord, pensez. Très bien. Commentaire très intéressant. Merci, Jess. Tu m'as prouvé que tu seras vraiment ma femme. C'est ça, ouais. Et tu veux... Tu as vu Mission Impossible? Le premier? Oui. Mais non. Non, non, tu feras pas ça. Parce que tu n'arriveras pas à passer. Ouais, salut, en dessous, en tout cas. Je vous ai vu sur les caméras. Grandview, c'est tout droit au nord de votre position. Tiens. Allez, dépêchez-vous. Attends, on va laisser passer. Et... Je le sens pas du tout ce soir. Je me suis mieux déverrié que... Je suis meilleur que Jean Reno, c'est ça. Ah, ici. Heureusement qu'ils ont fait des tunnels suffisamment grands pour qu'on puisse passer. C'est ça. Pendant un instant, j'ai quand même eu une petite goutte. On va faire un petit coup d'atterrissage. Je vais réparer quand même parce que... Non, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Oula, oula. Il avait bugué le truc. Quoi? Non. Allez voir. Toi, t'es là. Oups. T'as commencé à tirer, toi. Ouais, mais je l'ai raté. Ah oui, je le vois courir. Arrête de courir! Merde. Je crois que je les ai excités. Regarde-moi lui, c'est bon, ça, je l'ai là. Je suis pas encore habitué à ce sniper. Il est un peu caca. Oh non! L'enfoiré! Il m'a évité de justesse. Putain, je crois que j'ai... Je l'ai empêché d'utiliser le mortier, c'est bien ça. On était à deux doigts de se prendre un coup de mortier. Où est-ce qu'ils sont? À mon avis, ils sont à l'intérieur. Je pense qu'ils sont là. Hello? Y'a quelqu'un? Oh. C'est moi qui suis rentré. Hein. Chut. Silence. J'entends que ça marche à côté de moi. Ah, si. Juste en dessous, là. Et... Pouf! Merde, raté. Pouf! Non! Juste au-dessus de sa tête. Là, t'es mort, c'est bon. Je l'ai eu. Ah, c'est bon, j'ai plus rien. Ah, si, j'en ai encore un. Ah, Jess en a cramé un. Elle est bien utilisée, des flèches enflammées. La coquine. Aïe! Mes jambes. Coucou? Tu veux voir ma... Pouf! Flèche? C'est bon, tu les as eus? Oh, bah, je crois qu'il n'y a plus personne, hein. Sermon de la secte. Pour passer la porte, vous devez sacrifier une chose qui vous est chère. Oubliez le passé et embrassez votre avenir auprès du Père. Votre acte doit avoir un sens. Qu'est-ce qui vous retient ici? Qu'est-ce qui vous bride? Qui vous empêche de vous donner librement au Père? Est-ce votre mari? Votre femme? Vos enfants? Ou est-ce peut-être votre frère? Votre mère? Quand vous serez enfin libéré des entraves de votre ancienne vie, vous pourrez ouvrir votre cœur à la voix du Père. En gros, quand vous aurez buté
tous les gens que vous connaissez. C'est ça. C'est bon. Tout ira bien. Au moins, ça enlève le problème, tu sais, qu'il y a aux États-Unis, comme quand les gens vont dans des sectes et qui t'as les pères ou les mères ouais, qui vont viennent les chercher. Au moins, ça, comme ça, c'est ça bien. Élimine le problème. Ça élimine le problème. Ah, ah. Trouvé. Oh, oh, le loup. Ça va? Tué? Non, pas tué. Attends, je vais t'aider. Regarde. Regarde, j'ai un nouvel enregistrement pour toi. Oh oh. Pardon. Ah ouais, bah va falloir défendre. Oh, ça arrive, ça y est. Ok, alors je... Attends, je vais passer en mode explosif. Allez, venez les mecs. Et boum. Et pouf, t'as explosé. Toi aussi, t'as pété. Avec une bonne musique, yes. Allez les gars. Là, ça arrive. Ah, j'ai eu... Non, ah non, j'ai cru... Oh, 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 attention. Ouf, ouf, ouf. Rentre un, fais gaffe. Passe pas à l'extérieur. Faut les attirer à nous. C'est vrai qu'ils ont des mitrailleuses lourdes, là, ça va être chaud. Ah oui, les attirer vers l'intérieur, comme ça on leur tire dessus ouais. Quand ils rentrent. Ils viennent à l'intérieur ou pas? Non, je crois qu'ils restent à l'extérieur. Non, ils restent à l'extérieur. Ah. Attends, si, il y a un mec à l'intérieur, là. Il y a là. Je crois qu'il est en train de grimper vers toi. Bouge pas, je vais me le faire. Je pense qu'il va. Oh, il est allé dehors? Bah, je sais pas. Non? Ah non, il est là. Coucou. Ah oui. Oh! J'avais pas vu que c'était une vitre. Mais c'est bon, je l'ai eu. Ouais. Par contre, c'est pas lui que j'avais vu. Non, non, et le mec, il avait été bien sorti. Coucou. Perdu. Il y a des hélicos! Des hélicos? Oh putain. C'est où l'hélico? Il est où? Attends. Attaque de bateau. Ah non, c'est de l'autre côté. Merde. Ah, c'est de l'autre côté? Mitrailleuse lourde. C'est parti. Mon cucu. Oh merde. Oh putain, derrière moi. Aïe, je suis à terre. Attends, j'essaie de pas être à terre. J'essaie d'avoir le... Voilà. Non, je l'ai pas eu. Merde. Je voyais plus sa flèche en fait. Jess. J'essaie de venir mais comme là j'ai pas de... Jess, y'a moi. Ah c'est bon, y'a Jess. Wouh. Ah ma chérie. Putain. Non. Non. T'es où toi? Allez. Prends ta flèche dans ton cul. Boum. Oh oh oh. Plein dans sa tête. Non. Hop 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 hop. Voilà. C'est bon. J'en ai deux. T'as la eu l'autre à l'intérieur. Ouais, l'hélicoptère est mort. J'ai l'impression qu'ils ont réglé le problème des flèches. Qu'est-ce qu'on se met en double? Ah, peut-être. Salut les mecs. Oh là. Attends. Hop là, meurs. Ah. C'est bon, il est mort. Ouais, ils ont réglé le problème des flèches. Je confirme. Et où l'autre? Oh, bien joué. Tu l'as eu? C'est toi qui l'as eu? Ouais, ouais, c'est moi. Oh non, il m'a esquivé, le coquin. Oh non! Tu l'as tué au moment où j'ai tiré la flèche. Putain, que ça fait écoute, du bien de plus avoir les flèches qui se dépensent en x2. Coucou! Ah bon, t'es avec moi? Eh ben non, t'es plus avec moi. Perdu. On voit la d'autre. On voit la d'autre? Par où? Derrière! Allez, attends, oh, fais gaffe, là-haut, y en a! Là-haut. Ouais, y en a à l'intérieur. Non, raté. Ah! Salut les gars! Oh putain, il a. Wow, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est un fumier. C'est une grenade fumée. Oh non! Attends, il y en a un à l'intérieur là, j'ai l'impression. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit que tu l'avais vu. Non, je l'avais pas vu. Bah, tu j'ai m'as vu dit, à y en a l'extérieur. Un à l'intérieur. Il est mort. Maintenant que je consomme plus de fois plus de flèches, c'est bon. Hein. C'est où? Oh mais non, pourquoi je t'ai raté toi? Non, oh bah non, t'en vas pas. Oh, je m'enflamme. Attention hélico. Attends, j'ai un explosif ring pour lui. Boum. Au revoir. Ok, bah c'est bon alors tu l'es. C'est bon, c'est fait.
La déception. Oh, pourquoi? Vous avez fait un sacré boulot. Sacré boulot. Les choses se présentent bien pour Briggs. Pourquoi ils amoindrissent nos efforts? Ah putain, c'est franchement, c'est trop bon que ça consomme plus de deux fois. Ah bah, tu m'étonnes. C'est sûr. Ça peut attrister. Tu vas être tout malheureux. Bon, vous avez prouvé qu'on se trompait tous sur vous. Enfin, sauf moi. Ok. J'ai toujours su que vous aviez bah oui. Oui, oui. Ici, il nous avait déjà dit. C'est vrai. Lui, il nous aime bien, lui. Il nous aime même peut-être un peu trop. Un peu trop. Je sais que tu avais du talent. Si c'est l'enfer, tout part en couille. Je vais te dire. On devrait aller voir. Bon, bah, voilà. C'est un expert en survie. Il pourra nous aider. Ok. Bah, beau Adams. Pas de problème. On ira le voir. Mais peut-être la prochaine fois, parce que malheureusement, on n'a plus le temps. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. En vous disant à la prochaine. Ciao. Ciao.